on dirait que tu ressembles à un arabe, rabat-joie, un rebeu. Enfin, un rebeu gentil. Oula, bah, bolos. Allez, je me casse. Et sans les mains, regarde, avec ma beuteux, je conduis gros. Allez, salut. On y va! Je rate mon départ quoi. C'est quoi ces maps là? C'est quoi ce bordel là? Mais c'est quoi là? Attends. Attends, mais rassurez-moi, il n'y a pas. Je dégage là, je suis bloqué! Mais Nikta, je suis bloqué là! J'ai payé 10 euros pour une map de merde! Hein? Bah écoute, j'ai pas toujours fait ça, j'ai quand même. Ah, t'as quand même travaillé un petit peu avant? Un petit peu, ouais. Oui, parce que y en a certains, bah, ils font pareil, hein, ils passent leur soirée sur leur bureau d'ordinateur à rien foutre et à jouer aux jeux vidéo, et pourtant ils sont trois fois mieux payés que moi, donc bon. Je sais pas qui vise là, mais. C'est un peu ce que tu fais ? D'accord, ok. Mais merci en tout cas à toi. C'est bon, les gars, j'ai bloqué. Ah putain, ça casse les couilles, sérieux. Salut, tu m'entends ? Ouais, salut, ouais. Ouais, bah tu sais, j'ai découvert un gros platon. Totalement tendance, un Christian peu à la... The Queen. Non, Indochine. Franchement, un groupe qui, voilà, qui fait du Indochine-like, c'est les Tranxen. Oh, et franchement, putain. C'est pas mal. Ouais, mais attends, il y a une révolution qui s'est passée dans l'underground music. Il y a le dernier disque ouais. De Kyo. Ouais. Ça fait un peu penser à Indochine, mais en plus gros. Vas-y, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ah. Vas-y, avale. Gros... Gros, j'étais bicurieux à l'époque. Vas-y, viens, on le fait. Attends, viens, on le fait. Tu connais Capucine ou pas? Tu connais Capucine? Fils de pute. Capucine? Non, ça me dit rien, certainement une pute. Pourquoi? J'entends des bruits? Wesh, c'est quoi ça? Lao Tzu disait toujours, il faut être prêt à mourir. Wesh, vas-y, frère, t'es un modeur, frère, t'abuses. Lao Tzu disait toujours, un rabat-joie, toujours tête. Passe contre sol. Il va falloir que tu comprennes ta douleur. Wesh. Mais c'est quoi ça? Je sais pas, j'étais un instant possédé. J'ai l'impression que j'avais Dalai Lama dans... en moi, un truc dans le genre, un genre de jab, je sais pas, chelou. J'ai mon ult si tu veux. Flash. J'y vais dedans. Je smoke. Vas-y quand tu veux. Ok, je viens. Attends, on est slow. Oh non, c'est le meilleur, c'est le moins bon timing. Dans la smoke, connecteur. Dame pépé. Mort, sur les pépés, Richard, tu le. Je suis mort. Non mais. mets-le s'il te plaît. Arrête de troll. Oh mais quel noob. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton boss c'est Super Saiyan ou quoi? Oh, celui-là il est beau, joli strike. Il y en a combien dans le tas? T'as fait un 3, pas mal. J'avoue, pas mal. Ouais, c'est passé quoi, frère? Peut-être qu'on fasse du 1 un jour, non? Mais par contre, Samoussa, t'as pas des strats à conseiller sur cette map? Je l'ai aussi, rotéta, je fais que. Rotéta, il a dit. Je fais que B. Ah oui, mais moi je l'aime. Eh ouais. Un jour madame se jette sur moi pour me foutre sa poêle, cette ouf m'attrape le cou, mais toutes les assommées. Un jour elle souffre, un jour elle met toutes les paroles, c'est passionné. Un jour elle frappe, un jour elle est rationnelle, un jour elle frappe, un jour elle doute, un jour elle me fout, les flammes aux lèvres. Elle m'a changé en chose. Ouais. Il est où la cafetière à ce bossé là? C'est quoi la pièce là qui demande? Mais comment? Mais j'ai pas de... Non, vous faites Monsieur quoi Stab, là? J'ai pas d'un dollar, c'est quoi ça là? C'est quoi ces chiens là? C'est cher le café là? Ouais, il y a une team et des forums sur Smule, là, ils parlent de moi H24, il y a un groupe Facebook. Là, ils parlent de mes vidéos à chaque fois, dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et regardez cette semaine, y a... hey, regarde, alors... c'est toi Gérard, qui passe cette c'est semaine. Bon, ça alors regarde les commentaires, on se fout de ta gueule. Fabien. T'es tout pisté. Vous les blancs, je vais vous voir dans les champs de coton, vous un jour, tu vas voir. Très bien, monsieur, très bien. On lui met plus ce message ou pas? Non. Oui, bien sûr que oui. Ah, que oui. Tu vas mettre. Ok, d'accord, je vais assurer alors. Écoute-moi le plan derrière là.
les menaces, je vais te retrouver, je vais te macheter, connard que tu es là. Je vais te retrouver, toi, ta famille, tu vas me supplier. 3, 2, 1, on y va. Non. Non. Mande la voiture. Restez ici. Roule. Vous avez des écrans 155 Hz là ? Vous avez ça ou pas ? Non, je joue à 60 FPS. Attends, je l'achète. Enfin, je lui achète. Je joue à 60 FPS, il est content. Plus de 100 et quelques FPS. Et c'est bien, hein, 60 FPS, c'est assez, ça va ou pas, pour jouer ? Ah, mais ça m'empêche pas de rentrer des têtes. Regarde, je suis à 5-2. Ça m'empêche pas de rentrer des têtes. Je tiens ma ligne, il y a personne qui passe. Je suis à 5-2, je tiens ma ligne. Il n'y a même pas besoin d'être aggro sur ces trolls là, c'est trop mignon. Connasse, putain. Ouais, c'est encore vous. Encore une fois ouais, vulgaire. Qu'est-ce que vous voulez, vieux con ? Oui, c'est ce que je pensais. Une vraie pétasse. Même un clip comme ce... Allez, on va... Non mais je veux dire, mais c'est des... en plus le pire c'est que c'est des clips autorisés, on peut regarder. Mais bon, il va falloir... Mais attends, il est sérieux, Jack, qui le dit. Patrouiller dans la police et les speedy pour traquer les noirs. J'adore défoncer, mettre des coups de matraque sur les sales putes désinfectées du sida. Ouais, le problème c'est que genre, vous avez pas checké ça. Si je plante et que on a. Fais quoi, Phoenix, pause. Putain, laisse-moi tranquille. Tu jettes le spectre. Mais parce que j'ai pas envie de poser, je suis un dueliste. Pose. Putain, j'ai la voix défoncée quoi. Il est derrière dans le fond. Déjà, c'est grâce à moi qu'on met le round parce que j'ai tué le mec dans le cul. C'est une petite Farlox. Ouais, écarte-toi. Attends, mais heureusement que je suis skillé parce que franchement, ne me reprends jamais. Je te dis que je peux pas poser. Y'a un mec en fait. 16 ans, elle paraît en avoir 18 ou une vingtaine. Putain, qu'est-ce que c'est que ces putes quoi. Mais monsieur, vous. Comment il peut savoir ça juste en goûtant qu'elle a 16 ans? C'est normal. Je reconnais effectivement, regardez la liasse de billets juste à gauche. C'est une pute avérée. Mais attends, vous avez que la. Vous voyez, je vous ai dit, un expert. Hein. Oui, dès que alors... ça parle de pute ou de boisson, monsieur Boukabel est l'un de nos meilleurs agents. Par contre, pour l'identification des personnes asiatiques, il a quelques défaillances. D'ailleurs, oui. Vous êtes un petit peu asiatique, vous, monsieur, non? Ah non, pas du tout, monsieur. Je viens d'Europe. Alors, c'est une pute de luxe, de classe S, comme vous le pouvez le constater. Là, vous voyez qu'elle a été épilée, et également, en général, elle bâcle la nue. Et là, vous avez vu, c'est lisse propre. C'est impressionnant, les compétences de votre collègue, hein. En général, c'est à l'âge de 13-14 ans qu'il en reste un peu, quand il y a plus, il y a match. Mais là, pour le coup, c'est lisse comme un œuf. Du coup, il n'y a pas match? Non, il y a surtout foutrine, inside. Oh. Je me rappelle la dernière fois que j'ai pété ta grand-mère. Je lui ai fait bouffer le stérilé. Je lui ai fait une gorge profonde. Avec une baramine. Une vraie chanson. Une baramine. Avec... J'ai mis dans son baramine. Tronc. Dans son tronc. Et elle a joui. Il y a sans fin. Je suis sur les gars, je suis sur l'écho. Les gars, je crois que je suis sur le coup. Quoi? J'étais sur les bases du record du monde. J'avais tout bien réussi en plus, non? Carte d'identité et un permis de conduire. On va la Thibaut. Ça va où Thibaut? J'ai appelé ma femme à Thibaut. Tu vas me demander où? C'est quoi la procédure? La procédure? Ah non, mais moi je vous demande juste la carte d'identité et le permis de conduire. Attendez, mais comment c'est quoi ça? Mais non. Enfin! Mais non! Il y a un problème de météorite. Ça va, va falloir dégager là! Il va falloir dégager! Ok. Mais vous êtes en quelle classe? Troisième. Moi, je suis en fac de lettres, moi. Ma première année. Ouais. Ok. Pour ça, on me dit souvent que la manière dont je parle, c'est en fait, je suis littéraire, quoi. C'est pour ça, je parle un peu. Je sais pas si j'avais remarqué, on me dit souvent que j'ai une manière assez particulière de parler, quoi. On m'a dit, putain, tu fais chier la merde, quoi. Pourquoi tu parles comme ça, gros? Parce que j'ai envie de parler comme ça.
Bon, attends, écoute-moi, espèce de con. On va passer en HRP. Écoutez, en aucun cas, dire qu'une personne est noire ou blanche, c'est raciste. Je sais pas où t'as été éduqué. À mon avis, t'habites certainement à Grenoble, petit con. Donc maintenant, tu baisses d'un ton, on va reprendre la scène. What? Oh, c'est qui ça? Ouais, salut. Oh, ah bah voilà, il tombe dans les pommes, c'est normal. Il est confronté à mon... Tu dois être mignonne comme tout. Salut, quoi. Francky. C'est dommage que t'as pas l'âge requis, quoi, pour sortir avec moi. Mais je pète un mec chelou, toi. Il y a beaucoup de peur. Est-ce que tu veux sortir avec moi, Silux? T'as envie de sortir avec moi, Silux, ou pas? Hein? Ça va aller, monsieur. J'ai rien contre les hommes, parce que je suis sur le 3615 men. M-E-N, pour les hommes qui aiment les hommes. N'hésite pas à composer le 3615 men. M-E-N, pour les hommes qui aiment les hommes. Est-ce que tu aimes les gourmandises? Non, c'est pas vrai. Il a dit qu'il était gay et qu'il aimerait bien sucer des chibres d'hommes de robot. Je vais t'emmener quartier bas là, je vais dire que t'as été raciste. Mais je suis pas raciste. Ah, ça commence. Raciste. Je vais chercher la merde, frère, je vais te faire enculer. Et voilà, ça dégage. De toute façon, là, t'es déjà dans la merde. Et ça dégage. Ego RP in... Mais comment... Qu'est-ce que tu veux carkill avec ça? Et en plus, il met le bruit de la F1, mais il qu'est-ce que quoi, tu... Lui. Oh la... Trois